Donc bonjour, merci d'être venu et j'espère qu'on va passer un moment agréable à parler des chansons de Tiefen et d'essayer un petit peu d'explorer ce discours. Je me consacre à l'étude de ces chansons, je rentre maintenant dans la quatrième année de mon projet. Je peux vous dire que je vais de découverte en découverte, que je n'ai jamais travaillé en 30 ans de métier sur des textes d'une telle densité. Et j'espère donc pouvoir vous faire partager certains des aspects que j'ai pu essayer de mettre à jour dans mon travail, en sachant bien entendu que c'est un travail qui s'enrichit continuellement, de nouvelles découvertes interviennent toujours. Donc je vais vous parler de plus spécialement dans l'axe de la nouvelle tournée, et plus spécialement bien entendu dans l'axe du concert qui aura lieu donc après-demain au Cirque Royal. Je ne sais pas si nous nous y retrouverons, enfin moi je compte bien y être. Et comme j'ai suivi les 5 premiers concerts déjà de la tournée, qui a débuté le 11 avril à Reims, disons que je me suis familiarisée avec la setlist et que je me proposais d'axer cette introduction plus spécifiquement, donc comme annoncé, sur bien entendu Stratégie de l'Inespoir, qui est l'ossature de la setlist avec environ un tiers des chansons. Et puis, pour éventuellement d'autres exemples, aussi me concentrer plus spécifiquement sur les chansons qui complètent dans la setlist de la nouvelle tournée, celle extraite de Stratégie de l'Inespoir. Le titre que j'ai donné à cette conférence n'est pas de moi, bien entendu. Trafiquant de réminiscence, c'est le début de Toboggan, la dernière chanson donc de Stratégie de l'Inespoir, la 12e chanson. Alors, elle ne figure pas dans la setlist des 5 premiers concerts, mais je pense quand même que c'est un bon point de départ. Et l'idée de l'utiliser comme axe de réflexion pour ma conférence m'a d'ailleurs été suggérée indirectement par une interview de Tiefen lui-même, qui trouvait que cette formule, donc trafiquant de réminiscence, il l'a modifiée aussi en disant fabricant de réminiscence, définissait parfaitement son discours poétique, hein, puisque le début du texte de Toboggan, c'est fabricant ou trafiquant de réminiscence volé à des foules amnésiques. Et on peut, en partant de là, se faire déjà une idée de la nature de son discours poétique, qui est basé sur un effet de surprise créé en fait par ce qu'il appelle ce principe d'oxymorisation, c'est-à-dire qu'il utilise les oxymores, c'est-à-dire associer deux éléments qui en principe s'excluent du point de vue sémantique, puisque des réminiscences volées à des foules amnésiques, disons que il paraît étonnant que justement des personnes amnésiques, donc qui ont perdu la mémoire, puissent fournir des réminiscences ou posséder des réminiscences qu'on viendrait leur voler. Et donc justement, c'est autour de cette contradiction que va s'articuler le discours poétique, puisque dans cette interview, donc Tiefen poursuivait en disant finalement, non seulement je suis un voleur, mais je suis aussi un receleur, puisqu'effectivement, les réminiscences telles qu'elles sont peuvent éventuellement ne pas être identifiées, peuvent rester inconscientes, aussi bien pour le public qu'éventuellement aussi pour l'auteur, qui peut lui aussi utiliser des éléments de manière inconsciente et les voir ressurgir. Ce qui fait que nous sommes en fait dans un, pour utiliser un terme qu'affectionne Tiefen, dans une manufacture de recyclage. C'est-à-dire que on réutilise, on reprend des éléments de référence qu'on peut trouver un peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, les chansons de Tiefen, c'est une formidable récapitulation de la culture occidentale, et je dis vraiment sans exagérer, de l'Antiquité à nos jours, de l'Antiquité grecque et latine. Et puis vous avez, bon, bien entendu, la littérature française, donc du Moyen Âge à nos jours, mais vous avez aussi la littérature anglaise, la littérature allemande, la littérature hispanophone. On a un exemple d'ailleurs assez frappant dans la nouvelle tournée. On a la littérature américaine, tous les auteurs de la Beat Generation, mais aussi d'autres auteurs, Jay McInerney par exemple. On a pas seulement la littérature, on a aussi la philosophie. On peut aller voir chez Aristote, on peut aller voir chez Platon, on peut aller voir après chez Nietzsche de façon très évidente. Il dit que c'est son philosophe préféré et nous avons de très beaux exemples de lecture de Nietzsche. Justement, nous en avions dans le précédent album Supplément de mensonges, dont le titre était emprunté à une des traductions du Gai Savoir de Nietzsche. Et on peut remarquer d'ailleurs à cette occasion que Tiefen, dans ses interviews, citait Nietzsche
en allemand, l'original, donc des films sous Lucna, et puis il confrontait différentes traductions et avait choisi celle de Pierre Klossowski qui lui semblait particulièrement belle et poétique. Donc c'est Supplément de mensonges, c'est une formulation, un titre de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Il a choisi donc la traduction de Klossowski. Donc il y a vraiment une connaissance des textes. Alors après, les réminiscences peuvent être conscientes ou inconscientes. Moi, si vous voulez, ce que j'ai choisi de faire, donc quand j'ai décidé de consacrer mon activité de chercheur à l'étude des chansons de Thiéphaine, donc sur un projet vraiment sur le très long terme, j'analyse en fait ce que j'appelle la dynamique du discours, c'est-à-dire je ne me pose pas exactement la question de voir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ou qu'est-ce que l'auteur a voulu faire ou qu'est-ce que l'auteur a utilisé, mais j'essaie de voir comment est composé le discours, c'est-à-dire d'identifier éventuellement la présence de références. Et donc dans cette élucidation, si les références sont pratiquement toujours multiples, donc d'essayer d'en trouver le plus possible, de voir dans quelle mesure elle crée un halo associatif autour des formulations poétiques, et également de, dans ce discours énigmatique, voir également comment on peut s'apercevoir que le discours se décompose en fait en plusieurs strates, c'est-à-dire c'est un discours multivoque, et pratiquement chaque terme est utilisé à travers une polysémie qui résulte principalement en fait de... on va dire d'un travail sur l'étymologie des textes aussi, c'est-à-dire qu'on peut lire chaque terme pratiquement sur plusieurs niveaux, et également, à partir du moment où l'étymologie est souvent une étymologie venant du grec, venant du latin, voire venant d'une autre langue européenne moderne, ce discours va être également un discours plurilingue. Donc ce sont en fait toutes ces dimensions que j'essaie d'appréhender, et si vous voulez, donc c'est vraiment une récapitulation extraordinaire, donc de l'histoire littéraire, de la philosophie, donc on parlait de Nietzsche, on a encore Camus. Bon, la poésie, n'en parlons pas, on peut aller aussi au surréaliste, on aura différents exemples. Baudelaire et Rimbaud, bien entendu. Je crois que si on veut situer Thiéphaine, il faut le dire que c'est vraiment le successeur aujourd'hui de Baudelaire et Rimbaud. Je le dis vraiment sans exagération. Et puis, ce qui est très intéressant également, c'est que nous avons, si vous voulez... on peut activer aussi d'autres champs de référence. C'est-à-dire, par exemple, il y a aussi tout un matériau qui vient aussi du cinéma. Par exemple, dans le dernier album, donc la troisième chanson de l'album, Stratégie d'inespoir, qui s'appelle Fenêtre sur désert, et le refrain donc, qui est Baiser volé, Souvenir de baiser volé. Alors, en exergue de la chanson, Thiéphaine a placé la citation de la chanson de Charles Trenet, donc sur les baisers volés. Mais si nous combinons Fenêtre sur désert et Souvenir de baiser volé, nous obtenons aussi deux références cinématographiques qui viennent enrichir le halo connotatif du texte, puisque Fenêtre sur désert, c'est un rappel du Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, avec donc, c'est un texte, le film raconte l'histoire d'un homme qui, de sa fenêtre, ne bougeant pas de sa fenêtre, se confond avec ce rôle de voyeur, et puis finalement ce qui se passe autour de lui, et notamment l'intimité de ses voisins et l'intimité des femmes. Donc on a cette vision en fait de voir l'homme qui regarde les femmes en mouvement. Et puis donc Les baisers volés, là c'est la chanson de Trenet, mais c'est aussi le film de Truffaut, et Hitchcock et Truffaut, ils vont ensemble, pourquoi? Parce que il y a ce célèbre livre d'entretien que Hitchcock a accordé à Truffaut. Donc en fait la référence fonctionne de façon à élargir le champ de référence du texte. On l'identifie ou on ne l'identifie pas, elle n'est pas essentielle pour rentrer dans le texte, elle est encore moins essentielle pour rentrer dans la musique, mais elle élargit, si vous voulez, les possibilités de perception, les possibilités d'association offertes donc par ce texte. On a aussi une référence à Truffaut qui est... au hasard, beaucoup plus ancienne dans Narcisse 81. Dans les vers « Le futur te sniffe à rebours, te plantant sur un look rétro, te reste-t-il assez d'amour pour prendre ton dernier mélo ?» Là, c'est le dernier métro de Truffaut. Et à partir du moment où on a activé cette référence, on a cette image donc, du Paris nocturne, on a la réflexion sur la vie des acteurs, et quand on parle de Narcisse qui s'en retourne à ses banlieues, tu t'en retournes à tes banlieues dans ces couloirs où tu te grimes, et à ce moment-là, on voit aussi que Narcisse, c'est pas seulement donc le voyageur des petits matins, c'est pas seulement une peinture de la vie disons urbaine moderne, mais c'est une réflexion aussi sur le métier d'acteur, sur le métier sur ce travestissement, et le fait donc que la nature du personnage est entièrement définie par la succession des rôles qu'il revêt ou des identités d'emprunt, et c'est un élément qu'on retrouvera de façon récurrente qu'on retrouve de façon récurrente dans les chansons. Donc j'ai parlé brièvement des références cinématographiques à partir
de là, cette liste, on peut aussi évoquer les références picturales qui sont aussi extrêmement intéressantes à explorer. Et par exemple, donc, dans la setlist, donc c'est une setlist très riche avec 24 chansons, et il y a une chanson, disons, qui tourne de concert en concert. Enfin, à cette place-là, il y a eu trois chansons différentes, sinon les autres étaient fixes jusqu'ici. Et cette chanson, donc une des trois, c'est Compartiment C, Voiture 293, le tableau d'Edward Hopper, donc la chanson qui était dans Supplément de mensonges. Et en fait, donc là, avec les moyens de l'auteur, c'est-à-dire avec les mots, il y a une recréation du tableau avec les moyens de la poésie, avec les moyens donc de la langue. Et c'est aussi un élément auquel il faut penser, c'est-à-dire voir des références qui sont également des références visuelles. Ce que je vais essayer de vous présenter est essentiellement axé sur les, disons plutôt les réminiscences littéraires ou philosophiques, mais il faut aussi penser à ces éléments visuels qui viennent enrichir ce discours. Et ce discours polysémique, j'ai beaucoup apprécié le fait que on a pu montrer à travers la setlist du concert qu'il était présent dès le tout début de la production de Thiéphaine, parce qu'il a choisi de placer à peu près au milieu du concert une interprétation très belle où il est seul à la guitare de « Je t'en remets au vent », qui est une chanson qu'il a écrite, dit-il, quand il avait 18 ans, quand il était au lycée. Et on voit déjà toutes les caractéristiques de son discours, et c'est assez fascinant de voir comme ce qu'il va après développer pendant 40 ans, en fait, est déjà entièrement présent dans cette chanson, donc écrite par le lycéen. C'est-à-dire qu'en fait, donc je t'en remets au vent, donc je suppose que, enfin vous connaissez la chanson, donc c'est le refrain « Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, je t'en remets au vent ». Et il définit ici, c'est la strophe qui m'intéresse entre guillemets pour définir son discours, c'est la seconde où il dit « Toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire ». Donc, à Jean-Louis dans l'existence, tu m'encourages à écrire, mais moi, je restais hermétique, indifférent à tes ennuis, à mettre sa vie en musique, on en oublie parfois de vivre. Et rester hermétique, en fait, bon, on peut dire que c'est dès le début, donc, puisque la partenaire veut comprendre, essayer de comprendre ce que ses chansons veulent dire, lui se qualifie d'hermétique, donc on peut dire que dès le début, sa marque de fabrique va être ce discours hermétique, ce discours énigmatique, dont on veut essayer de percevoir toutes les dimensions et toutes les nuances. Mais il faut aussi penser que hermétique, au sens propre en grec, ça veut dire aussi bien fermé, c'est-à-dire que c'est une double caractérisation à la fois de son discours poétique et sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui se ferme aux autres, qui reste replié, de Rilodi et dans la première strophe, toujours replié sur moi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Donc il y a un double sens de cette attitude hermétique. De la même façon, dès la première strophe de la chanson, quand il caractérise le... disons, l'attitude de sa partenaire, donc d'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Et on a, dès le début, cette image, cette référence, cette image de la croix, qui est une image symbolique, aux connotations à la fois érotiques et blasphématoires, et cet entrelacement, en fait, qu'on peut qualifier ainsi, érotico-blasphématoire, ce sera aussi une des principales signatures de l'écriture de Thiéphaine, et on le retrouvera, par exemple, dans le dernier album, dans l'Angélus, c'est tout à fait évident le mélange des deux composantes. Et ça se retrouve aussi, avant d'arriver à Angélus, mais dans Dernière balise avant mutation, 113e cigarette sans dormir, le crapaud qui gueulait je t'aime a fini planté sur une croix, c'est-à-dire l'image de la croix, donc qui est la référence, bien entendu, au personnage de Jésus, mais qui est aussi la crucifixion, qui est aussi la dénomination cryptée, en fait, du rapport sexuel. Donc, par exemple, on peut penser dans Ville natale et Frenchitude à crucifier de fausses barmèdes sur les murs glacés de leur tombe. Donc, la crucifixion avec la Vierge et 17 saints dans Annihilation. Il y a aussi une double lecture. Ça peut être un tableau de Fra Angelico, comme le suggère le texte, mais ça peut être aussi l'image d'un rapport sexuel. Et ça, donc, on peut penser à la crucifixion en rose de Henry Miller. On peut penser aussi à l'utilisation du verbe crucifié chez les poètes latins pour envoyer au domaine de l'éros. Et justement, ce qui est absolument fascinant, c'est que quand on saisit une connotation, en fait, on peut décliner non pas seulement une référence, mais un panorama de références, un ensemble. Hein, donc le spectre est extrêmement large. Et c'est déjà présent, donc très tôt, sans qu'il y ait forcément besoin d'aller chercher des parallèles littéraires ou des références, mais le discours est déjà
a déjà sa densité et son profil particulier dès les premières chansons de l'auteur. Et ce discours, volontairement à double entente, se retrouve absolument à tous les niveaux. Je voudrais faire une petite parenthèse, par exemple, sur l'intitulé des tournées. Vous vous rappelez de l'intitulé de la dernière, enfin de l'avant-dernière tournée, donc celle qui s'est achevée en 2013, Homo Plebis Ultimae. Donc c'est une citation de Sénèque, comme vous l'avez peut-être lu. C'est donc dans les lettres à Lucilius, donc c'est une citation littérale. Qui veut dire donc en latin, donc homo c'est l'homme, plebis ultimae c'est le, donc plebis c'est du peuple, et ultimae c'est vraiment du tréfonds du peuple, de la lie du peuple. Bon. Mais en latin, si vous voulez, comme le génitif peut avoir deux sens, si vous choisissez cette formule, ça peut aussi bien être l'homme qui est issu du tréfonds du peuple, ou ça peut être l'homme qui est apprécié, qui est adoré, qui est estimé par les couches, les catégories les plus basses de la population. C'est-à-dire qu'on peut aussi obtenir, comme traduction possible, celle que Thiéphaine lui-même propose dans une autre chanson, Éloge de la tristesse, quand il dit « Peut-être qu'en se morfant sur ta folie, tu deviendras l'idole des bas-fonds à qui le branle tout Paris fera sa standing ovation. » L'idole des bas-fonds, c'est le « Homo plebis ultimae » traduit, mais cette fois-ci, en prenant, donc c'est pas l'homme qui provient des bas-fonds du peuple, mais c'est l'homme qui est adoré par les bas-fonds du peuple. Donc en fait, il y a des jeux de déclinaison, de références, et en fait, qui se poursuivent sur la totalité, en fait, du déroulement de la carrière de Thiéphaine. C'est-à-dire qu'on peut arriver, quand on étudie ces textes, à se rendre compte qu'il a mis au point, bon, j'ai appelé ça parce que, bon, on a toujours besoin un peu de termes techniques, enfin, d'une métalangue, c'est-à-dire que son propre discours s'est formé aussi à partir d'un certain nombre de mots-clés, de concepts-clés qu'il décline en les variant avec différentes méthodes de permutation dans lesquelles on va essayer un petit peu de rentrer. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a ce que Henry Miller, dans son essai sur Rimbaud, Le temps des assassins, appelle la trame de son paysage intime. Quand il dit « tout écrivain est obsédé par un certain nombre de mots qui constituent la trame de son paysage intime » et il énumère ces mots pour Rimbaud. Et on pourrait faire, me semble-t-il, le même type d'énumération pour Thiéphaine. Et ce qui est très intéressant, justement, dans la setlist du dernier concert, c'est que les chansons se répondent aussi également à travers ces possibilités de déclinaison, de variation de formules. Alors ça se retrouve, par exemple, si vous prenez dans les Confessions de Neva Byrne, vous avez « Ça sent la vieille guenille et l'épicier cafard ». Si vous prenez dans Karaganna, qu'en 99, c'est « Ça sent la chair fétide, le rat décérébré ». On peut avoir aussi... dans Autoroute jeudi d'automne, donc je vous cite des chansons qui sont dans la setlist, j'imagine le rire de toutes nos cellules mortes quand on se tape la bascule en gommant les années, et vous avez dans Femme de Lot qui est aussi dans la setlist, et j'imagine son cri, ses cris mais ses dentelles, et j'imagine son cri. Donc en fait, il y a des formules qui sont déclinées, et bien entendu, chaque fois en variant, et chaque fois, bien entendu, les associations sont différentes, mais il y a une constance dans, disons, les accentuations linguistiques, et donc du même coup les accentuations symboliques, qu'il choisit d'opérer donc au fil de sa carrière. Et il a défini lui-même d'ailleurs son travail poétique ou son mode d'expression poétique. Il a parlé, notamment dans une interview récente aussi, de rhapsodie. Et rhapsodie, si on le prend au sens étymologique, donc je parle du terme rhapsodie parce qu'il apparaît aussi dans des chansons donc retenues pour la première tournée. Une rhapsodie, c'est en fait, en grec, c'est coudre des chansons ensemble, des morceaux de chansons ensemble. On pourrait dire un patchwork aussi, c'est le même mot, hein, enfin, si on veut dire exactement, enfin, pour renvoyer une activité manuelle, ça serait ça. Et donc en fait, lui, il coud les morceaux ensemble, bon, de provenance tout à fait différente, et ce qui est absolument fascinant, c'est que même si on identifie les références, les clins d'œil, les associations, les connotations, le discours poétique est le discours de Thiéphaine. Je veux dire que le style de Thiéphaine, l'écriture de Thiéphaine se reconnaît immédiatement, et le fait que ce soit justement une rhapsodie, je dirais, ne fait que renforcer paradoxalement l'originalité de son discours, et je pense que là aussi, c'est un des oxymores dont il a le secret, c'est-à-dire que c'est un discours qu'on peut
qualifié d'artificiel. Hein, quand il dit dans Fièvre résurrectionnelle à fabriquer des leurres en fleurs artificielles, il parle aussi dans Le jeu de la folie des labyrinthes obscurs aux fumeux artifices. Donc il y a artifice au sens aussi de justement l'art au sens de technique, hein, c'est-à-dire l'artifex, c'est celui qui fabrique hein, des chansons. Hein, dit aussi, moi je bricole et je fabrique des chansons qui sont inventables. Donc une chanson se fabrique à partir de pièces détachées, mais en fait le discours est quand même totalement authentique à l'arrivée. Hein, je crois que c'est ce paradoxe, cet oxymore auquel il faut s'attacher particulièrement si on veut rendre justice à son discours poétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter après aux références éventuellement identifiées dans l'intertextualité, mais il faut voir que tout cela est fondu, pour employer une métaphore alchimique, puisqu'il aime aussi beaucoup les références à l'alchimie, au creuset en fait de son alchimie personnelle qui fait que le discours lui appartient en propre de façon évidente. Et donc il s'est exprimé sur cette technique de rhapsodie. Alors nous avons des rhapsodies dans cette liste donc de la nouvelle tournée. On en trouve par exemple dans Karaganda quand les donc qui évoque donc les victimes en fait de la répression stalinienne et les qui ont été déportés dans ces camps à Karaganda et notamment d'ailleurs des républicains espagnols donc qui se sont retrouvés pris en fait passés en fait des enfin, disons qu'ils ont été faits prisonniers par les Allemands et ensuite remis donc aux troupes de Staline et se sont retrouvés dans ces camps. Et donc c'est les émigrants inquiets, des passagers perdus, des émigrants inquiets. Et ils sont dépeints comme des fantômes aux danses astrales, aux rhapsodiques pleurs. Donc en fait ce sont les pleurs qui sont, si vous voulez, en pièces détachées. Bon, ça peut aussi composer une rhapsodie parce qu'on a effectivement cet effet d'ensemble des pleurs qui s'enchaînent. Mais ça vient effectivement de partout parce que les réminiscences sont également très nombreuses. Et on retrouvera ces rhapsodies dans les faces de la solitude qui sont chantées en fin de concert. Et là aussi, donc, on nous parle d'étranges rhapsodies aux étranges accords sous d'étranges latitudes qui te révèlent les faces de la solitude. Donc ce principe de rhapsodie, c'est-à-dire par libre association, par entrelacement et bien entendu sous le signe de l'étrange parce que la réception ne se fait pas, ou la réappropriation, consciente ou inconsciente, ne se fait pas toujours comme on pourrait l'attendre. C'est-à-dire qu'on a le morcellement, les pièces détachées, comme il le dit, c'est dans la tournée de 1988, route 88, avant d'introduire les dingues et les paumés, il a récité un quatrain de sa composition, en disant donc la jambe de Rimbaud, la tête de Chénier, l'oreille de Van Gogh et la main de Sandrart, les poètes se vendent en pièces détachées et leurs cris mutilés sont de sinistres farces. Alors ça introduit très bien les dingues et les paumés, mais c'est aussi une très belle définition de sa propre technique d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des morceaux pris ça et là dans les œuvres de différents poètes. Alors quand je dis pris, réapproprié, encore une fois, consciemment, inconsciemment, le problème n'est pas là, mais ils sont recomposés, et donc les cris sont mutilés parce qu'effectivement c'est fragmentaire. Il donne des exemples très divers parce que dans ces textes aussi on a un entrelacement de références qui est vraiment vertigineux. Et le résultat, donc, c'est aussi une farce, c'est-à-dire qu'aussi c'est au sens où on farcit éventuellement une viande, au sens où on remplit quelque chose, bon, et c'est aussi une farce parce que c'est aussi une plaisanterie. Il y a aussi une dimension qu'on voit pas toujours peut-être dans ces chansons, qui ont l'air effectivement extrêmement sombres, mais quand il dit « quand on regarde de plus près, c'est pas si sombre que ça », et il dit « j'adore les farces, mes chansons s'en remplissent », et justement par cette polysémie, on peut lire beaucoup de ces chansons à double sens, à triple sens, et ce qui est intéressant, c'est que les sens sont effectivement simultanés. Si on reste par exemple sur Karaganda, puisqu'on était en train de parler des rhapsodies qu'on y trouve, donc c'est une chanson, on va dire, qui rapporte un épisode particulièrement sanglant, qui remémore une barbarie, la barbarie stalinienne, qui a été un peu, comme il le dit dans son speech d'introduction dans le concert, un peu occulté par la barbarie nazie, donc c'est le pendant en fait. Donc la chanson se compose en fait de trois strophes. Donc les deux strophes, donc la première et la dernière, sont effectivement dédiées de façon plus ou moins explicite au souvenir des victimes de Karaganda. Mais la strophe centrale, brume noire sur l'Occident, murmure de rêves confus, barbare ivre de sang, vampire au cœur fondu, qui marche lentement au bord des avenues, des mondes agonisants, des déserts corrompus. Ça sent la chair fétide, le rat décérébré, le module androïde, le paradoxe usé, le spectre de mutants au cerveau trafiqué qui marche en militant sur nos crânes irradiés. C'est
autre chose, c'est un autre discours, ça s'intègre parfaitement. Alors on peut dire aussi, si on a les brumes noires, les barbares ivres de sang, les brumes noires sur l'Occident, on peut dire, ça répond à la barbarie stalinienne, ça peut être aussi, par exemple, la barbarie néo-nazie qui s'ajoute actuellement, disons que le stalinisme étant terminé, puis avoir encore autre chose, ou d'autres résurgences de barbarie, de quelque, disons, obédience qu'elle soit. Mais ce discours, là aussi, quand on parle de brume, de rêve confus, etc., ça bascule aussi vers une évocation cryptée, en fait, de la sexualité. Et il y a cet élément qui est vraiment tout à fait récurrent dans les chansons. Je ne sais pas si vous vous rappelez le titre de l'album Eros über alles, hein, c'est-à-dire que le Eros par-dessus tout, qui parodie la devise politique reprise par les nazis, Deutschland über alles, l'Allemagne par-dessus tout. Et justement, lui, le discours poétique de Tiefen est entièrement érotisé. C'est-à-dire qu'on peut toujours, pratiquement toujours, voir dans le subtexte, un subtexte qui renvoie à l'histoire du corps, à l'histoire des instincts, à l'histoire des pulsions, à l'histoire des rapprochements physiques. Et c'est un peu appliqué à la lettre ce que dit Nietzsche en disant qu'en fait, si on regarde bien, donc quand il explore la généalogie de la morale, et qui dit qu'en fait, ou bien par-delà le bien et le mal, que tout discours, en fait, c'est tout discours abstrait, c'est un malentendu du corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le corps qui s'exprime et c'est déguisé par des concepts abstraits, mais par derrière, il y a des processus physiques. Et le discours de Tiefen réalise effectivement ce postulat nietzschéen. C'est-à-dire qu'on a à la fois une archéologie de la langue, comme dit Nietzsche, il dit les 3000 dernières années de l'histoire, elles ne sont pas très loin, elles sont là, dans la langue, il suffit d'explorer. Donc il descend dans les profondeurs du passé de la langue et il rattache aussi la langue à l'expression du corps, et notamment donc, à travers l'expression de l'érotisme, de la sexualité, qui est un élément absolument essentiel dans ces chansons, quel qu'en soit le thème. Et par exemple, dans Karaganda, on a un très bel exemple de cela. Quand il dit donc... la chair fétide, le rat décérébré, bon, fétide, donc, au sens, donc, fétida en latin, bon, ça veut dire effectivement, donc, il sent pas bon, etc. Mais en latin, il y a un jeu de mots, parce que fœtus et fœtus, c'est à la fois, donc, ce qui sent pas bon, la mauvaise odeur, mais ça peut être aussi, donc, le fœtus au sens de disons, la postérité, les enfants, en fait, tout ce qui renvoie à l'enfantement, etc. Donc, la chair fétide, c'est aussi la chair féconde. C'est pas seulement la chair fétide, mais ça peut être aussi donc la chair susceptible de se reproduire, de se multiplier. Et quand on a le spectre de mutants, les mutants sont dans les chansons de Tiefen une désignation récurrente en fait des enfants, du processus de reproduction par mutation. Et là, on voit aussi un entrelacement assez fascinant de références, parce que les mutants, on pense aussi à l'univers de la science-fiction, et il est tout à fait évident que dans les chansons de Tiefen, il y a beaucoup de références. Qu'on a l'impression d'identifier immédiatement à l'univers de science-fiction. Mais c'est aussi, si vous voulez, cette idée de mutation, c'est aussi une très vieille référence, par exemple, donc chez le poète latin Lucrèce, qui a écrit donc, le De Rerum Natura, donc de la nature des choses, qui a été un des premiers à avoir une théorie des atomes et qui considère que l'univers donc, a été créé, est en création permanente, en mutation constante, par mutation successive d'atomes, et qu'en fait, la création, c'est la mutation d'éléments, donc lui, il appelle ça des primordia, c'est-à-dire des semences d'éléments apportées donc, par les deux parents, et après par cette mutation, se crée effectivement la descendance. Donc, on est vraiment en plein dans cette... disons, dans ce champ sémantique, et quand on voit le paradoxe usé, alors bien entendu, quand on dit « donc ça sent le paradoxe usé », bon, on pense un paradoxe, c'est une opinion qui va à contre-courant de l'opinion généralement admise, mais on peut rapprocher d'une autre chanson, « Loin des temples en marbre de lune », donc dans l'album « Scandale mélancolique » de 2005, qui commence par « on vient tous d'une capote usée, on vient tous d'un immense amour », et en fait, un paradoxe usé, si vous décomposez paradoxe, ça devient contraceptif. Donc en fait, c'est ça aussi que ça veut dire. C'est aussi une dénonciation du discours passe-partout, c'est-à-dire qu'un paradoxe, à force d'être répété sans arrêt, il n'est plus du tout paradoxal, mais il devient en fait le reflet de l'opinion. Enfin, il devient lui-même finalement une opinion courante. Mais on a aussi cette autre dimension du discours. Le module Android, c'est pareil. Un module, ça renvoie aussi à donc tous ces univers extrêmement modernes de science-fiction, de robotique, d'informatique, tout ce qu'on veut. Un modulus en latin, c'est aussi un tuyau. Donc un module Android, un paradoxe usé, c'est tout à fait clair ce que ça peut représenter. Mais c'est pas uniquement ça. Ce qui veut dire que il faut
essayez toujours d'être présent sur les différents plans du discours. Et à ce moment-là, des images se créent, des images. Il dit qu'il travaille énormément aussi sur l'inconscient collectif, hein, les brumes, les brouillards. Par référence à l'alchimie, c'est très souvent aussi une désignation cryptée en fait de l'endroit du rapprochement sexuel. Et donc à ce moment-là, on a cet autre élément. Alors c'est l'éros, ce sont les perversions de l'éros et se mettre en liaison parce que bien entendu, toute cette barbarie n'existait pas, s'il n'y avait pas des gens éventuellement pour y adhérer, pour rentrer dans ce jeu-là. Donc il y a aussi un jeu de création, recréation, rapprochement. Et donc il y a aussi l'entrelacement des deux niveaux du discours finalement, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur la barbarie de l'histoire, puis on réfléchit sur l'humanité en général et les rapprochements humains sur un mode tout à fait différent. Donc ici le mode sexuel, c'est ce qu'on retrouve donc dans une autre chanson de cette liste qui est 113e cigarette sans dormir, où là aussi il y a des rappels de différentes barbaries historiques. Donc le Bogenbräukeller, hein, demain au Bogenbräukeller je lèguerai mon âme à la science. Donc là le rappel donc du putsch de Hitler, on a le rappel mais quand on parle par exemple de la dictature en Iran de l'ayatollah Khomeini, à ce moment là c'est immédiatement associé au domaine de la sexualité. Les petites filles de Mahomet mouillent aux anticoagulants depuis qu'un méchant gros minier joue au flip avec leur Coran. Et en fait, donc on a un entrelacement permanent qui déclenche chez le spectateur, malgré lui, de ce type de phénomène, qui déclenche cette idée dans la chanson « Guignol connaît pas de son métier, je ris à m'en faire crever », c'est-à-dire ce rire destructeur, qui est aussi un rire autodestructeur, puisque c'est à m'en faire crever, de voir que finalement se répète partout le même type de comportement, quelles que soient les époques historiques, quels que soient les discours religieux auxquels on peut se référer, parce que là nous avons joué au flip avec le Coran, dans Annihilation, on n'en finit jamais de rejouer Guignol chez les Torquemada, chez les Savonarole, donc là la référence était à l'Inquisition, et c'est exactement la même chose, l'habillement change, c'est-à-dire qu'en fait toute l'histoire est en fait un jeu de rôle, sexualité travestie en discours religieux ou politique travestie en discours sexuel, enfin tout s'entremêle, et celui qui perce à jour cela, tout en sachant qu'il est lui-même pris dans le phénomène, la réaction qui lui reste, c'est ce rire qui est annihilateur, et on peut penser au titre de la chanson Annihilation qui reflète exactement en fait ce à quoi on peut aboutir quand on s'engage dans cette réflexion. Et là aussi, on a des multiplications de références. Disons, par exemple, quand il y a les dieux changent le beurre en vaseline, les prophètes jouent Dracula. Bon, là aussi, on peut penser, c'est un passage du Festin nu de William Burroughs où il parle justement de nos scandales de la vaseline où on vend du beurre trafiqué déguisé en vaseline. Donc, il y a des clins d'œil comme ça à des auteurs qu'on peut identifier, qu'on peut ne pas identifier, mais ça permet du coup de se replonger dans un univers donne une densité supplémentaire au monde des chansons. Et l'univers de William Burroughs, j'en parle parce que c'est un univers très important, d'abord au point de vue des associations symboliques. Je pense par exemple dans le refrain de Autoroute jeudi d'automne, et je me dis stop, mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter, je vais voir ailleurs, toujours plus loin ailleurs. Je remonte mon col, là c'est également dans le Festin nu, Burroughs souligne que c'est un geste machinal, en fait, il dit les drogués qui ont toujours froid, frissonnant dans l'aube malade de la cam, et donc ils remontent leur col. Et donc la référence littéraire permet d'ancrer encore davantage, de spécifier encore davantage le discours du personnage. Je peux vous rappeler dans la deuxième strophe, je m'en dis l'oxygène aux sorties des sinoches et vends des compresseurs à mes lady bromures, et avant je croise des veillards qui font la sentinelle et me demandent si j'ai pas des cachous pour la nuit. Donc on a ce monde un peu interlope de la nuit éventuellement, du trafic de substances, qui est souligné effectivement par ce geste symbolique. Burroughs le répète plusieurs fois au cours du roman et également dans la préface. Donc cela permet de situer dans cet univers, mais ce qui est aussi également très important pour Burroughs, c'est que ce n'est pas seulement donc une référence, disons, parmi les autres, une référence littéraire qu'on peut activer, mais c'est également une référence technique qui est très importante à travers la technique du cut-up, c'est-à-dire d'arriver à réapproprier des éléments, en matière de collage, si vous voulez, donc pris au début d'ailleurs, quand Burroughs avait inventé ça, c'est à partir de morceaux de journal, et puis les morceaux étaient collés, mais justement,
On arrivait à un collage où étaient mis bout à bout des morceaux de phrases différentes. Et donc, Thiéphaine utilise énormément la technique du cut-up dans son entrelacement des références. Et il indique que, en fait, lui, il fait ça mentalement. Hein, il y a une interview où il s'explique là-dessus en disant, bon, moi, je suis plus à la maternelle, donc je ne vais pas prendre des ciseaux et du papier. Mais donc, je fais ça dans ma tête et je permute les éléments de façon, si vous voulez, ces chansons sont vraiment disposées comme s'il s'agissait d'un puzzle. Et donc, par exemple, dans la chanson Toboggan, où il parle des trafiquants de réminiscences, on a un très très bel exemple de la façon dont il trafique ses réminiscences, puisqu'il dit donc, trafiquant de réminiscences, voilà des foules amnésiques, j'ai longtemps laissé ma conscience vagabonder sur sa musique. Et puis après, il dit je ne suis qu'un escroc solitaire, un truand qui blanchit du vent, qui blanchit des mots et du vent. Bon, alors cette chanson où on dit, tiens, il a l'air de douter de sa valeur, etc., c'est une chanson en fait qui est. Vraiment à double entente, voire à triple. C'est-à-dire que là-dedans, il y a une variation autour d'un titre d'un auteur qui est essentiel aussi pour Thiéphaine, qui est la même génération, la Beat Generation, c'est Jack Kerouac, donc, qui a écrit On the Road, mais qui a aussi écrit Le Vagabond solitaire, auquel Thiéphaine se réfère, par exemple, dans l'exercice de simple provocation 33 fois le mot coupable, dit « Je gardais mes lunettes noires, de vagabond solitaire ». Et donc là, quand il dit « J'ai laissé ma conscience vagabonder sur sa musique », après, il dit « Je suis un escroc solitaire, un truand qui blanchit du vent ». Donc, vous avez le titre « Vagabond solitaire » qui est décomposé en deux parties. L'élément « vagabond » est plus haut dans le texte et « solitaire » vient plus loin. Et quand il dit « Je suis un escroc solitaire et un truand qui blanchit du vent », si on s'intéresse un peu en faisant l'archéologie de la langue au sens étymologique de truand, on s'aperçoit que le premier sens de truand, c'est « vagabond ». Donc, on a quand même aussi le vagabond solitaire, mais masqué. Donc, en fait, il y a un jeu comme ça sur les différents éléments constitutifs du discours. Bon, on pourrait citer des tas d'exemples, mais le cut-up permet justement de faire éclater la référence. Et ce qui est intéressant, justement, parce que c'est un discours qui est délibérément fragmenté, parcellarisé, comme il le dit dans Syndrome Albatros, tu remontes vers l'azur, flashant de mille éclats. Et on a effectivement cet éclatement, cette fragmentation, qu'on retrouve d'ailleurs très souvent au niveau musical, par exemple dans un procédé de fragmentation acoustique, où la voix se répond elle-même, elle est enregistrée sur plusieurs pistes, puis avec un léger décalage, pour créer un effet d'écho. Et donc en fait, c'est l'idée que... on est dans une époque, si vous voulez, où une perception entière et pleine, bon, n'est pas possible, hein, c'est ce qui relèverait de l'anachronisme ou de la naïveté. Mais donc, justement, la dimension éclatée est soulignée, et le caractère composite est souligné. Donc, il parle de puzzle, il parle aussi, très récemment, il a parlé de Lego. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien, parce que justement, un Lego, vous pouvez, avec les mêmes pièces, créer, en fait, des objets tout à fait différents, à partir du même matériau de base. Et ces chansons, donc, sont un Lego, parce que, justement, à partir du matériau verbal, on arrive, donc par exemple, comme on a vu tout à l'heure, le paradoxe usé, la capote usée, en déclinant différemment. On peut alors faire ça à tous les niveaux. Par exemple, quand on avait dans l'album en 82 « Soleil cherche futur », on a toutes ces déclinaisons autour du mythe du soleil. Dans l'album précédent, dans Dernière balise avant mutation, dans Redescente climatisée, donc la dernière chanson de l'album, il y avait déjà un vieux soleil glacé retraverse la nuit. Le soleil cherche futur, est-ce qu'il va trouver le futur ou non, on peut se poser la question. Et puis après, donc dans Lobotomie Sporting Club, qui est dans Supplément de mensonges, nous avons une manière de réponse qui dit soleil cafard, futur glacé. Donc on a encore le soleil qui cherche le futur, mais cette fois-ci, il l'a trouvé. Mais le futur est glacé, et après, c'est matin blafard, cerveau détraqué. C'est-à-dire qu'il est glacé pas seulement quand il retraverse la nuit, mais il est glacé aussi au matin quand le jour revient. Donc, en fait, on peut lire les chansons, si vous voulez aussi, en les faisant se répondre les unes aux autres. Et donc, c'est vraiment un discours totalement organisé. Donc, de façon consciente ou inconsciente, c'est pas vraiment le problème. Mais quand on le regarde, tout est absolument construit. Il compare aussi, par exemple, sa technique ou le résultat, disons, de sa création, par exemple, au palais du facteur cheval, en disant, moi aussi, il rapportait dans son palais tout ce qu'il trouvait, et donc, ben, moi, je fais pareil, et puis après, je construis ma petite pyramide à côté. Donc, en fait, il se réapproprie différents éléments, et donc, il donne sa propre signature, sa propre accentuation, mais c'est à partir d'éléments qu'il a trouvés, qu'il a emmagasinés dans ses lectures, dans ce qu'il a pu voir, dans ses souvenirs, enfin. Mais, si vous voulez, quand on analyse le discours, on voit qu'il est totalement cohérent, et il a d'ailleurs lui-même donné la métaphore qui définit ce discours poétique, c'est le labyrinthe, hein, dans Syndrome Albatros, donc qui est
en fait une réponse à l'Albatros de Baudelaire. D'ailleurs, il le dit, c'est une des chansons qui se déplace, qui alterne avec d'autres dans la setlist. Donc, une fois c'était Compartimenté, une fois c'était Syndrome Albatros, une autre fois c'était Libido Moriani. Et donc, en introduisant le syndrome, il cite le début de l'Albatros de Baudelaire pour placé effectivement dans le, enfin son texte en écho, en réponse au texte de Baudelaire. Et donc à la fin, la définition en fait de ce que peut faire le poète, c'est t'inventes un labyrinthe aux couleurs d'arc-en-ciel. Donc effectivement, le labyrinthe, c'est sa création. Justement, c'est pas seulement imaginer, mais c'est vraiment passer au stade de la création, donc de cette invention. Et ce labyrinthe, en fait, c'est un abrégé de toutes aux couleurs d'arc-en-ciel. Donc on a effectivement toute la gamme des couleurs, et le texte est remarquablement construit parce qu'à l'intérieur du texte même, vous voyez se créer le labyrinthe parce que toutes les couleurs sont déclinées. Et on voit peu à peu comment poète, donc, qui au début est dans le même statut l'Albatros de Baudelaire, c'est ses ailes de géant l'empêchent de marcher, donc les problèmes qu'il a à trouver sa place dans la réalité, et puis son domaine, lui, c'est justement, tu remontes vers l'azur flashant de mille éclats, et donc à ce moment-là, il arrive effectivement, disons poussé par ce désir d'accéder au sommet, à trouver vraiment sa place, qui est effectivement donc son rôle, qui est le rôle de la création poétique. Et puis il arrive aussi à trouver à la fin, le texte se termine par cette promesse de rencontre, vois la fille océane des vagues providentielles qui t'appelle dans le vert des cathédrales marines. C'est une fille albatros, ta petite sœur jumelle, qui t'appelle et te veut dans son rêve androgyne. Donc à la fin, c'est une rencontre. Et si on remonte au titre, qui s'appelle, enfin c'est une promesse de rencontre, on ne sait pas si elle aura lieu, et le titre c'est Syndrome Albatros, et si on regarde l'étymologie de syndromé en grec, bon alors il y a le sens psychiatrique, psychologique, le syndrome de l'Albatros, c'est répertorié, c'est-à-dire on a choisi ce nom en référence au poème de Baudelaire pour désigner effectivement les problèmes que peut avoir le génie, le surdoué, le poète, pour s'intégrer, disons, dans la vie normale, quotidienne, banale. Bon. Mais syndromé en grec, ça veut d'abord dire rencontre, et rencontre tumultueuse. Donc si on lit le texte à partir de la dernière strophe, « Vois la fille océane des vagues providentielles, ta petite sœur jumelle qui t'appelle et te veut », ça veut dire aussi cette promesse pour l'albatros de trouver la personne qui lui correspond. Donc en fait, je crois que là aussi, la polysémie du titre indique qu'il y a une double quête qui est menée, qui est à la fois une quête poétique et une quête de l'éros, et ça se voit tout à fait dans la strophe, dans la troisième strophe, il dit « Puis en busard blessé, cerné par les corbeaux, tu remontes vers l'azur flashant de mille éclats, et malgré les brûlures qui t'écorchent la peau, tu fixes dans les brumes terra prohibida. » Donc le poète, c'est un aventurier, il cherche la terre inconnue, il cherche la terre interdite, il cherche la zone taboue, c'est aussi la recherche du corps de la femme. Donc les deux quêtes s'entremêlent, en fait, la quête poétique, même plusieurs quêtes, la quête spirituelle, une autre chanson d'un Ereo Manumes, donc, qui est aussi dans cette liste, parle des aventuriers des Graals perdus. Donc il y a cette recherche aussi de cette quête du Graal symbolique. On retrouve dans Les Faces de la Solitude, dans le même concert, on retrouve Joseph d'Arimathie, donc, qui joue aussi lui un rôle dans la légende du Graal. Donc il y a une cohérence, effectivement, les chansons sont construites de façon à se répondre en activant les mêmes motifs. Mais cette quête, en fait, se déroule simultanément sur tous ces plans. C'est-à-dire, c'est une quête poétique et poétologique sur la technique de la poésie, puisque le labyrinthe, il faut le fabriquer. C'est-à-dire que c'est lui qui va dessiner le plan de son labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est un petit monde à côté. Le contact avec le monde réel, c'est dans la première strophe au début. Toi qui voulais baiser la terre dans son ghetto, tu en reviens meurtri, vidé par sa violence. Et tu fuis ce vieux monstre à l'écaille indigo, comme on fuit les cauchemars souterrains de l'enfance. Donc le contact direct avec la réalité, c'est pas possible. Le labyrinthe s'invente à côté. À ce moment-là, le poète peut lui-même dessiner les plans du labyrinthe et à ce moment-là peut s'y mouvoir comme il le souhaite. Il peut s'y perdre, il peut en trouver la sortie, c'est lui qui en est le concepteur. Mais sinon, c'est une création, on pourrait dire un microcosme totalement organisé qui répond au macrocosme donc de l'univers. Ce n'est pas la mission du poète n'est pas d'affronter la réalité, la mission du poète n'est pas non plus de se mêler directement à l'histoire, c'est simplement pas de donner des réponses, comme le disait Tiphaine dans une interview, mais de poser des questions, des interrogations, et ce qu'il fait lui
de par sa propre vocation, pourrait-on dire, c'est justement cette réponse par la création qui va permettre de réfléchir donc sur tel ou tel aspect. Et notre poète se présente dès le début, d'ailleurs, comme un clown, hein, clown masqué décryptant. Alors la version originale dit les arcanes de la nuit, dans la nouvelle tournée, il dit les mystères de la nuit, mais l'idée est la même, donc c'est tout ce qui est caché, donc les arcanes aussi qui sont la référence au tarot, et les chansons de Tiefen sont aussi cet itinéraire initiatique. On peut lire beaucoup de chansons avec les grilles du tarot, par exemple Annihilation, on a la 13e lame qui est donc l'arcane sans nom et la mort, et puis après on a l'étoile, on a le diable, donc on peut faire aussi, c'est une possibilité de lecture, de le lire comme si c'était un tirage de tarot, Annihilation. Pas seulement quand il dit « quand mes tarots s'enflamment sur la 13e lame », mais tout le texte peut être construit à partir de la référence au tarot. C'est comme l'alchimie, c'est une référence qui sous-tend un certain nombre de chansons. Et à partir du moment donc où on peut considérer la poésie comme une quête initiatique, on doit quand même toujours se rappeler que le poète, si vous voulez, tel qu'il est présenté là, c'est une quête initiatique, mais c'est une quête sur plusieurs étages. C'est aussi une quête donc très concrète, si c'est éventuellement une quête amoureuse ou sexuelle. Ce qui fait que c'est aussi une quête où il joue. Donc il se présente comme clown masqué. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Tiefen lui-même dit « je suis un clown joyeux, mes chansons sont remplies de ces farces », donc c'est pas non plus à prendre totalement au sérieux, c'est pour ça que « supplément de mensonge », c'est une bonne définition, c'est aussi un rôle qui est joué, c'est-à-dire que ce jeu qu'on voit dans les chansons, c'est aussi quelqu'un qui essaye des identités d'emprunt, qui lui conviennent ou qui lui conviennent pas, mais qui ne colle pas directement au rôle qu'il propose. Donc la problématique de Narcisse, par exemple à la fin du scandale mélancolique Tours, il y avait le speech au public où il proposait de remplacer la Marseillaise par un autre hymne national, et l'hymne national c'était justement Narcisse 81, parce que justement ce narcissisme c'est quelqu'un qui ne se trouve pas lui-même, parce qu'il se voit sans arrêt dans ses miroirs, il tombe amoureux de lui-même, mais en fait il n'a pas vraiment de substance auquel s'identifier, et effectivement il est absorbé par le miroir, comme on le voit également dans la chanson. Donc si on est dans le jeu, il y a un élément par exemple qui est tout à fait révélateur de la façon dont il se réapproprie en soulignant la distance, c'est dans le texte qui est dans la Tentation du bonheur, qui s'appelle Psychopunk, Métempsychose et Sportswear, et à un moment il dit: mais le dieu manque à cet autel où je dois jouer les victimes. Alors, autel est écrit non pas A-U, comme on l'attendrait, puisqu'il s'agit de dieu, mais il est écrit autel comme un hôtel où on prend des chambres. Bon. Mais là, il y a un rappel d'un texte de Nerval, donc qui est le Christ au mont des Oliviers, où Jésus parle lui-même en disant, donc il a un moment de doute, il dit « le dieu manque à l'autel où je suis la victime ». Dans le texte de Tiefen, le dieu manque à cet autel où je dois jouer les victimes. C'est-à-dire qu'on voit la différence, ce sont des identités d'emprunt, mais il s'identifie pas, il joue simplement le rôle de la victime expiatoire, donc après on s'est tout à fait décliné sur un mode aussi, disons, physique tout à fait évident, hein. Mais c'est un jeu, c'est un essai d'identification, et puis après on en essaiera un autre. Et tout le texte, en fait, du syndrome albatros décline donc ces identités à travers, en fait, donc c'est censé, enfin, le titre nous dit que c'est le syndrome albatros, le personnage principal qui est apostrophé en tant que tu, c'est-à-dire qu'on a cette idée de se voir dès le début dans le miroir, hein, c'est parce que c'est un tu qui en fait, c'est comme si le jeu s'adressait la parole à lui-même en se regardant dans le miroir. Hein, c'est ainsi d'ailleurs que Camus, à la suite de Baudelaire, définit l'existence en fait du dandy révolté en disant « il vit sans arrêt dans le miroir, hein, la révolte se termine devant le miroir, on se regarde bon. ». Et dans les textes de Tiefen, le miroir joue un rôle effectivement extrêmement important, soit qu'on s'y regarde, soit qu'on essaye éventuellement de le franchir. Mais donc cet albatros essaye aussi différents rôles d'oiseau, puisque bon, au début il est présenté comme un clown masqué, bon, après il va être présenté comme un busard, puis un busard blessé cerné par les corbeaux. Et en fait, un busard, si on regarde quel est le nom scientifique du busard, eh bien on retourne sur circo, c'est-à-dire encore sur la thématique du cirque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours les rôles d'oiseaux sont essayés, et c'est juste à la fin qu'on dit donc la
petite fille, c'est une fille albatros, ta petite sœur jumelle, donc ce doit être un albatros lui aussi, et le titre nous l'indique. Et entre les deux, nous avons aussi, tu pressens de là-haut les faces à venir comme cette odeur de mort qui précède les combats et marque le début des vocations martyrs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre oiseau, c'est plus un busard, mais ça peut être par exemple un vautour qui sentirait l'odeur de mort. Donc on a aussi une métamorphose de l'oiseau. Il se transforme jusqu'à ce qu'il ait effectivement trouvé le rôle qui lui correspond, mais on reste dans un jeu de rôle, et justement, c'est chaque fois, c'est le clown, il est masqué, c'est-à-dire que le masque est un élément récurrent des protagonistes des chansons de Tiefen, donc on peut penser que c'est aussi une composante carnavalesque, hein, comme d'ailleurs bon, le carnaval est aussi une thématique qui est explicitement apostrophée, je pense à Alligator 427, il parle de l'étrange carnaval, et le carnaval c'est aussi le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, tout se répond, si vous voulez. Dans le miroir, on se voit un reflet inversé. Le programme de vie des personnages des chansons, le plus souvent, c'est justement, comme cela est formulé dans Exil sur Planète Fantôme, nous vivions à rebours. Hein. C'est-à-dire que nous vivions à rebours, ça veut dire à l'inverse de tout le monde. C'est aussi, en passant, un programme philosophique. C'est le programme de Sénèque qui dit le philosophe, il doit rétrovivere, c'est-à-dire donc vivre à l'inverse des autres. Donc ça peut être aussi un programme de provocation, mais ça peut être aussi une attitude philosophique. Et en fait, ça oscille sans arrêt entre ces deux extrêmes. Hein, mais il faut voir, me semble-t-il, toute la largeur de ce spectre. Donc quand on choisit d'être à rebours, on choisit de tout inverser, donc du coup on ne sait plus non plus si on rit en s'en faire crever, on ne sait plus si on rit ou on pleure, donc là aussi il y a toujours cette ambiguïté hein, qu'on a par exemple quand on a dans en remontant le fleuve à cette éternité où les dieux s'encanaillent en nous voyant pleurer, on ne sait même plus à quel sens on pleure, si c'est du chagrin, si c'est de l'extase physique, tout peut effectivement muter d'un extrême à l'autre, basculer d'un extrême à l'autre, et on a simplement donc ce personnage qui essaye ses jeux, qui essaye ses identités, et c'est pour cela j'ai trouvé tout à fait pertinent que la setlist fasse à nouveau une place à un texte qui est absolument essentiel, me semble-t-il, pour la définition du projet de Tiefen, c'est les Confessions de Neverbeer. Qui est un des textes où il y a, il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il y a deux textes qui lui semble-t-il le résument pratiquement entièrement, c'est bien sûr Les Dingues et les Paumées, et donc après, beaucoup plus tard, les Confessions de Neverbeer. Et là, on a vraiment une déclinaison, mais vraiment hallucinante, de références, disons, qui partent de très loin, hein, qui partent de l'Antiquité, c'est une réflexion sur la mélancolie, hein, les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies. Et Tiefen lui-même a souligné, donc à l'origine de ce texte, en fait, il y a le texte d'Aristote, donc le 30e problème d'Aristote, sur lequel il réfléchit sur le rapport du génie et de la mélancolie, ou de la mélancolie et de la folie, et en disant est-ce qu'on est génial parce qu'on est mélancolique, ou mélancolique avec toutes tout ce à quoi peut conduire la mélancolie, donc la folie, la violence, le délire, comme il le dit dans Infinitive Voile, la mélancolie c'est l'excès de bile noire, hein, au sens étymologique. Bon. Donc il part de cette déclinaison-là, et puis il confronte avec les théories freudiennes, par exemple, qui dit que la mélancolie c'est au contraire un affaiblissement de la vitalité, donc là cette théorie est récusée, puisque celle qui l'intéresse, qu'il prend comme, disons, comme base de sa réflexion et de sa déclinaison de la mélancolie, c'est vraiment cette idée d'Aristote. Au contraire, la mélancolie, c'est vraiment quelqu'un qui vit tout à fond. Hein, le mélancolique, il est créateur, il est violent, il a un bouillonnement perpétuel, il ne peut pas dormir, justement, parce qu'il y a cet excès, c'est un excès en tout, et ce n'est pas du tout un appauvrissement. Et puis, il y a aussi les théories, biologiques plus modernes. Quand il dit, par exemple, ivre de prolixine et d'acide cortical, bon, l'acide cortical, c'est en fait donc ce qu'on sécrète soi-même au niveau de son propre cortex surrénal, c'est-à-dire c'est le cortisol, et c'est effectivement cette hormone qui sécrétée en excès, fait qu'on ne peut plus dormir et qu'effectivement on peut éventuellement basculer. Donc en fait, en subtexte, toutes les théories sont confrontées, et c'est exemplifié à travers des personnages historiques, et donc il y a toute une histoire de la mélancolie. Mais en fait, tous ces personnages, ce sont les identités d'emprunt du jeu du texte, puisqu'il dit « j'ai volé mon âme à un clown », c'est-à-dire qu'il essaye en fait différents rôles, en n'arrivant pas à... Enfin, en n'arrivant pas vraiment à trouver un rôle qui le remplira complètement. Donc ça part
On a dans la deuxième strophe, par exemple, je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve et me défonce au gaz échappé d'un diesel. Donc, ça, c'est l'exemple que donne Aristote lui-même. C'est le philosophe Empédocle qui s'est jeté, alors non pas dans le Vésuve, mais dans l'Etna. Mais l'idée, donc, emporté par la mélancolie, donc on se consume soi-même. L'idée, c'est qu'on brûle de cette flamme. Et cette flamme qui brûle, on va la retrouver dans l'album Stratégie d'inespoir. Hein, je veux brûler pour toi, petite. On a tous les sens de cette flamme. Mais il y a aussi, donc, cette flamme qui va consumer en fait celui qui l'anime. Donc après, un autre personnage aussi que Aristote ne pouvait pas connaître mais qui poursuit la série, c'est Nietzsche hein, quand il dit « reflet de flamme en fleurs dans les yeux du cheval que j'embrasse à Turin pour en faire un complice ». Donc on a effectivement l'épisode de la folie de Nietzsche qui se déclenche quand à Turin il embrasse le cheval. Et en fait la façon dont Thiéphaine reproduit l'épisode, qui est un épisode historique attesté, donc c'est une référence absolument, enfin explicite, quasiment explicite dans le texte, montre bien en fait, c'est que le basculer dans la folie, c'est aussi basculer dans la tautologie, le discours qui tourne en rond. Hein. Tout le texte d'ailleurs pourrait être placé sous le signe de ce palindrome de Guy Debord, parce que Guy Debord avec le situationnisme, c'est une référence essentielle pour Thiéphaine, quand il dit « ingirum imus nocte et consumimo igni », c'est-à-dire « nous tournons en rond dans la nuit, nous sommes consumés par le feu », et toutes les confessions de Neverbeer, c'est une déclinaison de ça. C'est vraiment quelqu'un qui tourne en rond dans sa solitude, dans éventuellement sa mélancolie, sa folie, et laisser pour y échapper. Et donc, quand il embrasse le cheval, donc les reflets de flamme en fleurs, donc on a cette technique d'allitération qui là est en fait davantage un écho des poètes latins, hein, notamment de Lucrèce, qui l'emploie de façon tout à fait virtuose. Et Lucrèce a créé, enfin est un des premiers en latin à avoir employé l'expression fleur de flamme, donc Thiéphaine ici inverse en flamme en fleurs, mais fleur de flamme nous l'avons dans Septembre rose, hein, où les miroirs d'automne reflètent à fleur de flamme. Donc ça c'est le, enfin c'est vraiment la traduction de l'expression forgé plus ou moins par Lucrèce. Et donc, ces jeux en fait, d'allitération qui montrent qu'on a... Il y a une répétition, donc cette espèce de tautologie dans laquelle on s'enferme, et on embrasse le cheval pour en faire un complice. Si vous lisez au sens étymologique, complexe, c'est embrasser. Donc le cheval, je l'embrasse pour l'embrasser, donc on voit vraiment le basculement dans la folie, c'est-à-dire le discours qui tourne en rond et qui n'arrive plus justement à impulser une direction, à impulser une dynamique. Et donc à ce moment-là, on voit une des conséquences de la mélancolie, tout en ayant quand même cette impression que... on doit quand même comment dire, courir le risque. Hein. C'est-à-dire, si on est un aventurier des Graals perdus, on va quand même aller jusqu'au bout de cette tentative, et puis elle donnera ce qu'elle donnera, mais il faut pas reculer. Hein. Il y a l'autre chanson qui fait le pendant des Confessions de Neverbeen, qui est le jeu de la folie. Et donc, quand on décline tout ça, dans la troisième strophe, on retrouve le Sturm und Drang, donc, qui est le pré-romantisme allemand. On a aussi cet orage et passion, cette tempête. Bon. Et on se retrouve finalement à la fin. Je suis l'évêque étrusque, un lycanthrope errant qui patrouille dans le gel obscur de mon mental. Et là, donc, on a une très très belle référence en fait, donc mythologique. Bon, l'évêque étrusque, donc c'est le devin étrusque, donc le haruspice, donc le haruspices, c'est celui qui regarde le foie des victimes. Donc, et en fait, donc évêque, c'est en fait un jeu de mots parce que donc celui qui regarde, donc en latin, le haruspice, donc haru le foie, spices regarder, et l'évêque en grec, c'est episcopos. Donc en fait, scopos et spikere, c'est le même mot par métathèse des consonnes entre le grec et le latin. Et l'évêque, en fait, au sens, on le connaît, hein, dans l'ascenseur de 22h43, le surveillant général, ça veut dire aussi l'archevêque. Hein. On peut aussi inverser comme ça. Hein. C'est-à-dire l'évêque, à l'origine, c'est un surveillant. Hein. Donc du coup, il est ce devin, mais qu'est-ce qu'il est devenu le devin maintenant? Le devin, il regarde le foie des victimes. Qu'est-ce qu'il fait, lui, s'il est l'évêque étrusque, il patrouille dans le gel obscur de mon mental, c'est-à-dire il lit dans sa propre tête. Donc là aussi, il est enfermé dans ce mouvement dont il ne peut pas sortir. Et le gel obscur de mon mental, c'est encore une référence au festin nu, où le protagoniste dit « mes occupations principales consistent à patrouiller » parce qu'il y a en permanence une déperdition d'identité, on essaye de s'assurer de façon précaire de cette identité, en patrouillant dans son propre mental. Et la comparaison, cette espèce de gélatine dans laquelle on s'embourbe, on s'englue, elle termine. En fait, l'énumération, et ça reboucle de façon extraordinaire parce que le lycanthrope errant, donc le lycanthrope, il est dans les métamorphoses d'Ovide, donc il est tout au début de la tradition littéraire, pourrait-on dire. Et c'est un symbole de la mélancolie, donc c'est l'homme loup, c'est celui qui vit la nuit, on a dans les dingues les paumées des loups frileux au bras d'une autre mort, mais le lycanthrope, il est aussi dans le festin nu chez Burroughs, c'est-à-dire que tout
se referme comme cela. Et le Neverbeam, finalement, c'est, vous savez que sur les confessions de Neverbeam, bon, ça s'inscrit dans toute une série des confessions, hein, depuis Saint-Augustin, les confessions de Saint-Augustin, il y a celles de Rousseau, il y a les confessions d'un enfant du siècle, de Musset, pour rester dans la science-fiction, les confessions d'un Barjot de Philippe K. Dick. Donc il y a plein de textes, de modèles de confessions que Thiéphaine choisit de décliner. Et pourquoi il est « never been » Bon, alors on peut penser aussi, bien entendu, c'est pas seulement d'avoir été « has been », mais d'avoir jamais existé. Mais si on pense à ce terme, et puis on voit le rôle récurrent joué par le clown dans ce texte, on pense au texte de Henry Miller qui s'appelle « The Smile Under the Ladder », donc le sourire au pied de l'échelle, qui est une réflexion sur le personnage du clown, mais justement comme prototype de l'humanité tout entière. Et à la fin du texte, il termine en disant « We never are, we never were ». Le never been, donc en fait, il fait écho à ça avec cette réflexion sur le clown et l'idée donc que celui qui est un never been, ben, tout le monde est un never been. C'est pas seulement le jeu dans ce texte, mais c'est en fait tout le monde est condamné à ce jeu d'identité, ce jeu de rôle, ce jeu de masque auquel on ne peut pas, échapper. J'aurais voulu dire quelques mots plus spécifiquement sur certaines chansons du dernier album, si on peut, hein, c'est-à-dire en variant justement donc ce rapport justement donc de enfin, comment le dernier album dont s'inscrit bien entendu dans ce projet poétique hein, qui reste inchangé et dont on reconnaît la signature. Enfin bon, quand j'ai découvert le dernier album, j'ai vu que tout s'est intégré immédiatement. Enfin bon, au fur et à mesure, donc d'abord Angélus, après Fenêtre sur désert, après la totalité de l'album. Bon, et donc dans Angélus, on a effectivement, si vous voulez, toujours cette on repart sur cette démarche l'homme contre Dieu, hein, puisque donc je te salue Seigneur du fond de l'inutile. Et en fait, donc Thiéphaine d'ailleurs lui-même l'a dit, hein, c'est une réflexion sur l'absurdité de la condition humaine. Et il faut voir aussi que justement inutile, dans Toboggan aussi on a inutile, absurde et tremblant dans l'ordre d'un destin troublant, c'est chez Camus, puisque Thiéphaine est vraiment un grand connaisseur de Camus et il s'est référé explicitement à Camus aussi quand il a reparlé sa définition de l'inespoir. Et justement Camus dit bien qu'une existence absurde, son critère, c'est l'inutilité. C'est-à-dire justement, parce qu'on est condamné à mort, pensez au bandeau du condamné à mort, qui est une des significations du bandeau que portait Fenn sur la pochette de Stratégie de l'inespoir. Donc, à partir du moment où on accepte ce statut de condamné à mort, on a cette contradiction de vivre, comme dit Heidegger, qu'on vit pour mourir, qu'on est pour mourir. Mais une fois qu'on a accepté ça, à l'intérieur de ça, on est libre. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on n'attend plus rien. Et c'est la définition donc, de l'inespoir, c'est-à-dire c'est l'absence d'espoir, c'est l'absence de désespoir. Bon. Donc comme dit Thiéphaine, c'est un no man's land, alors pas uniquement au sens où il l'emploie dans ses chansons, où en général c'est plutôt, comme dit Lucrèce, l'endroit où que personne n'a jamais touché ou personne n'a jamais mis les pieds, donc ça sert davantage pour les évocations sexuelles, aussi au sens de la zone frontière entre deux ennemis, hein, il y a toujours cette polysémie du no man's land, mais là lui il dit donc le no man's land c'est un endroit qui est à personne, on n'a pas les chimères de l'espoir, donc on n'a pas Dieu, donc si on salue, je te salue Seigneur du fond de l'inutile, c'est qu'on refuse effectivement ces éléments de la religion, mais à la limite c'est même pas forcément agressif, c'est que on a mieux à faire, c'est-à-dire d'utiliser le temps qui passe, donc on sait que la sérénité de mon joyeux néant, donc il n'y a même pas de révolte, on a accepté ça, et Thiéphaine se réfère là à l'image de Sisyphe. Vous vous rappelez peut-être que dans Heureux humains ébus, donc dans les chroniques bousimentales, il dit j'imaginerais Sisyphe gonflé aux anabots en train de faire sa muscu dans la cage au héros, et donc ça reprend en fait la phrase de Camus qui dit la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que la lutte vers les sommets donc c'est monter, et les anabots, donc effectivement il est gonflé aux anabots, mais l'anabolé en grec c'est effectivement la montée, hein, donc c'est la lutte vers les sommets, c'est ce qui permet de monter, donc il y a aussi une polysémie du terme, et Thiéphaine a dit à ce moment-là, moi je ne peux pas dire il faut imaginer Sisyphe heureux, le bonheur, moi ce n'est pas pour moi. Et entre-temps, il est revenu, il a dit maintenant j'ai compris, il y a un moment, ce n'est pas le bonheur, mais il y a un moment où pour Sisyphe, c'est quand le rocher redescend. Parce que vous savez qu'il pousse le rocher, bon, puis il arrive en haut, le rocher redescend. Il dit le rocher redescend tout seul, donc là ça fait une pause, bon, il peut fumer une clope, il peut aller voir une fille, il peut se détendre. Il n'attend rien, il sait qu'il faudra repousser le rocher, mais il peut profiter de ce moment. Et en fait, tout l'album décline ses possibilités donc, de s'installer dans cet inespoir. Donc c'est une stratégie, donc c'est quelque chose de calculé. Et justement, et c'est parce qu'on n'attend rien qu'à certains moments peut se produire l'inespéré. Et le texte d'Angélus est vraiment exemplaire pour cela, parce que donc il y a la sérénité joyeux néant, et je m'en vais ce soir paisible et silencieux, donc on a l'impression que ça peut être un adieu à la vie, comme dit Lucrèce à la fin du Rerum Natura, c'est que on doit quitter la vie comme un convive qui est rassasié, qui se lève après le festin, puis qui s'en va de façon, enfin avec sérénité, donc c'est un peu ça, c'est en aller paisible et silencieux, mais
Il s'en va au bras de la première beauté vierge tombée des cieux, et donc là, il y a à nouveau le défi aux dieux. Comme dit, les dieux sont jaloux. Enfin, on a aussi les dieux sont jaloux de nos corps, nous balayons l'éternité. Bon, les dieux qui s'encanaillent en nous voyant pleurer. Et là, justement, de façon inespérée, Dieu qui n'a jamais trop fait grand-chose pour les hommes, hein, puisque je salue Seigneur du fond de tes abîmes, c'est-à-dire qu'en fait le texte biblique, le De Profundis, c'est en principe l'homme qui est dans les profondeurs et qui clamavi a te, c'est-à-dire du fond des profondeurs, j'ai appelé vers toi. Là, c'est l'inverse, c'est Dieu qui est au fond des abîmes. Les clochers sont trompeurs parce que justement ils montrent vers le haut, alors qu'en fait ils montrent vers l'espoir, vers les illusions de l'espoir. Les églises sont vides. Pourquoi les églises sont-elles vides? Puisque plus personne ne va à la messe, ça c'est une première dimension. Mais aussi, quand il dit « je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime, je suis ton assassin, je suis ton déicide », et ça c'est la position nietzschéenne dans Zarathoustra, hein, en disant « Dieu est mort, nous l'avons tué, les églises sont son tombeau », donc bien entendu les églises sont vides, puisque de toute façon, le tombeau peut être vide quand Dieu a ressuscité, donc ça joue aussi avec cette idée, mais si Dieu n'existe pas et qu'il n'y en a pas, ben l'Église, a fortiori, elle est vide, puisque le tombeau de quelqu'un qui n'existe pas, il n'y a rien dedans. Donc on peut décliner tous ces éléments, enfin, ça se présente à peu près simultanément, enfin, ça fait comme un halo autour du texte. Et donc à ce moment-là, donc, ton assassin, ton déicide, bon, ça c'est la référence nietzschéenne évidente, mais ce n'est pas tellement le règlement de compte avec Dieu, parce qu'à la limite, on s'en moque, Dieu a quand même fait quelque chose de tout à fait inespéré, cette première beauté vierge tombée des cieux, et alors c'est parfaitement calculé dans la formulation, parce que ce sont des vers très réguliers, hein, enfin, on n'a pas eu le temps de trop regarder là, mais Tiphaine écrit des alexandrins parfaitement balancés, des octosyllabes, des hexasyllabes, des décasyllabes, enfin, tout ce qu'on veut, et ça a toujours une signification, le maître choisi, enfin, c'est assez fascinant, enfin une signification, il ne choisit pas les mêmes. Quoi. Par exemple, je pense, quand la banlieue descendra sur la ville, bon, tout le texte est en décasyllabes, et puis juste à la fin, mercenaire de Lilith contre milicien d'Ève, là hop, ça éclate en alexandrin parce qu'on passe au plan mythique, on quitte le plan historique pour passer au plan mythique, donc on change de vers. Donc je veux dire, tout est absolument calculé. Et là donc, il devrait dire, on est comme ça, « Je te salue Seigneur du fond de l'infini, c'est régulier. Et je m'en vais ce soir paisible et silencieux, au bras de la première beauté tombée des cieux, ça serait impeccablement régulier. » Ou bien « Au bras de la première vierge tombée des cieux, ça serait régulier. » « Au bras de la première beauté vierge tombée des cieux, ça fait éclater le vers. » Ça fait éclater les règles du jeu telles que Dieu les a fixées. Ça, c'est l'inespoir, l'inespéré qui se place. Et après, alors, qui c'est ça, la première beauté vierge? Ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire, dans toutes les mythologies, la première, c'est-à-dire peu importe laquelle, toutes les mythologies connaissent une histoire de vierge tombée des cieux. Bon, on peut penser dans la mythologie grecque, on peut avoir Artémis, on peut avoir Athéna. Il y a des vierges tombées des cieux qui sont plus spécifiquement en rapport avec la mort, parce que c'est aussi un texte qui peut aussi parler du pressentiment de la mort. On a les Valkyries dans la mythologie nordique. On a les Houris, donc dans le Coran. On a aussi, parce que Angelus, bon, en latin, ça veut dire... bon, c'est la prière, l'Angelus. Bon, mais c'est aussi... l'Angelus, c'est l'ange, et... en grec, en latin, l'ange, donc c'est un messager, c'est une messagère, et c'est aussi l'ange de la mort. Et la figure de l'ange, c'est Tiphaine, c'est toujours un incognito, en fait, du personnage féminin. Hein, on peut penser à la fin de Eudéding, les paumés, reprends tes valkyries pour tes valseurs maso, et après on a, et cet ange qui me gueule vient par la Monsalo. Donc on a, dans la même strophe, la valkyrie et l'ange, mais dans Angelus, en fait, c'est la même figure féminine qui peut jouer les deux rôles, donc ça peut être l'ange inquisiteur aussi qu'on a dans Libido Moriani, c'est aussi la même chose, et c'est aussi donc l'idée de cette première beauté qui vient. Toutes les, comme dit, l'idée c'est de laisser toutes ces histoires de croyances religieuses, c'est pas intéressant. Ce qui reste, c'est de pouvoir effectivement être heureux, donc peu importe avec qui et comment. Et bon, ben elle est tombée des cieux, comme dans Zone Chaudemôme, là, quand il dit, je sais pas si tu viens d'une planète androgyne, si tu descends d'une ville ultramarine. Donc c'est toujours cette idée, donc on peut trouver effectivement la femme qui vient de cet ailleurs, hein, puisque la femme vient toujours d'ailleurs. Hein. À la fin de la setlist, il chante aussi Portrait de femme en 1922. Et la femme dit « je reviens d'ailleurs ». Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme, justement, il cherche cet ailleurs. Hein. Orphée 98, tu voudrais toujours être ailleurs. Et dans Autoroute, jeudi d'automne, c'est « je vais voir ailleurs, toujours plus loin ailleurs ». Donc cette recherche d'ailleurs, et la femme possède l'ailleurs et la porte, mais elle le possède naturellement, pourrait-on dire. Et donc là, eh ben, cette première beauté vierge tombée des cieux va offrir effectivement cet accomplissement qu'on n'attendait plus. Et l'ironie de la chose, c'est que ça vient justement par le masque de la religion, en utilisant ses croyances. Et en fait, ces croyances amènent à exactement l'inverse de ce qu'est censé signifier la religion. Donc ce pied de nez, enfin, est tout à fait caractéristique, parce que bon, c'est un texte. C'est pour ça, enfin, je sais pas, vous avez peut-être lu les critiques du dernier album disant, oh, il écrit pas de façon aussi énigmatique qu'avant, c'est dommage, c'est trop lisse. Alors, il a dit, je suis plus adepte de la ligne claire. C'est-à-dire, les textes du dernier album, quand on les lit, on a effectivement l'impression de comprendre.
Il y a autant de polysémie, de discours multivoque, de plurilinguisme que dans tous les autres textes. Mais effectivement, comme au premier abord, que c'est parce que bon, c'est vrai que les dingues et les paumées, c'est beaucoup plus hermétique, mais il y a la même chose, hein. Ça vaut le coup d'aller voir dedans, en remontant le fleuve, c'est un texte absolument hallucinant, hein. C'est la réponse au bateau Yves de Rimbaud, hein. Le bateau de Rimbaud, donc comme je descendais, et puis les fleuves impassibles, donc, tandis que là, le Tiefel, il remonte le fleuve. Donc là, c'est aussi la démarche à rebours, la réappropriation inversée, mais c'est un texte absolument fascinant, avec aussi les références. C'est aussi les références mythologiques, et références mythologiques, et références au roman de science-fiction, Le monde du fleuve, donc de Philippe-Joseph Farmer. Donc en fait, il y a toujours cet entrelacement, mais on pourrait passer des heures à le détailler. Enfin, je ne vais pas vous embêter davantage, mais voilà, donc si vous avez des questions, ou je ne sais pas, j'y répondrai très volontiers, si je peux.